Hello, moi c'est Emmanuel, Office Manager chez Invox. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie chez Invox, notamment du recrutement, de l'onboarding et des rituels chez nous. D'abord, pour le recrutement, une fois que les candidats ont déposé leur CV sur notre plateforme, on va les contacter par téléphone pour vérifier la correspondance avec le profil et le poste. Si tout va bien ensuite, on part sur un test métier qu'on envoie chez le candidat qui peut le faire lui-même chez lui. Après, selon le test métier, on va partir sur un entretien métier et RH. En général, ils se font le même jour. Pour euh, voir la correspondance et rencontrer la personne. Et pour terminer, un entretien de validation. Après le recrutement, bah, suit l'onboarding. Euh, le premier jour, vous êtes accueilli par votre manager. Vous découvrez votre bench, vos voisins, votre welcome box, etc. Euh, vous ferez un point aussi avec votre manager dans la journée pour découvrir l'entreprise et euh, un point avec moi en tant qu'office manager pour tout ce qui est aspect administratif. Toute la semaine après, vous allez pouvoir rencontrer tous les managers de chaque pôle, qui vont vous présenter tous les métiers et ce qui est fait dans chaque pôle. Et après, tout au long de votre onboarding, chaque mois, et après l'onboarding aussi, vous aurez des points de suivi avec votre manager pour que tout se passe au mieux. On a aussi quelque chose de très important chez Invox, c'est nos rituels. On a, par exemple, les mugs moches qu'on ramène d'un voyage à chaque fois. Nous avons surtout le All Hands et le mondege chaque premier lundi du mois, où on fait un bilan d'abord des chiffres du mois passé et ensuite on mange tous ensemble, où chacun ramène un petit quelque chose qu'il a cuisiné. Nous avons aussi le Mercato toutes les six semaines où on change de voisins et de bureaux et aussi le Workshop Demand Generation où on fait un bilan de tout ce qui a pu être fait, tous les projets qui ont été faits dans l'entreprise tous les deux mois. Nous avons aussi d'autres rituels un peu plus importants comme le séminaire ou euh, la christmas party, la summer party, l'anniversaire d'invox, ou là, ce sont des sacrés gros rituels.